Est-ce que le problème aujourd'hui de la Fédération camerounaise de football et notamment son président Samuel Eto'o, ce n'est pas le fait qu'il refuse de dealer avec le politicien? Il y a de cela quelques jours, Aurélien Chédiou sur le plateau de Canal+ le disait que Samuel Eto'o fait de grandes choses au Cameroun, mais les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui sont du fait qu'il refuse de dealer avec le politique. Bon, je me refuse de commenter ce que Chidou a dit parce que Chidou, c'est un très grand footballeur, un ancien Lion indomptable, et pour respecter sa parole. Mais je voudrais vous poser une question. Lorsque Matrice a été nommé par le ministre de l'Éducation civique, Tapitapou ne voulait pas de Matrice. Mais quand la situation a évolué, qu'est-ce que la Tapitapou a fait? Elle a nommé un SACMI avec Matrice et ses deux adjoints et son préparateur civique. Que vous preniez le décret, que vous preniez la convention, il est écrit nulle part dans les deux endroits. Si même on accepte que la convention permet au ministère de l'Éducation physique de mettre à disposition le coach, que quelqu'un me montre là où c'est dit que le ministère peut aussi mettre à disposition les adjoints et le coordonnateur des sélections nationales, ça n'existe nulle part. Donc on est déjà dans de l'ingérence. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes à la place de Samuel Eto'o, vous faites quoi? Mais vous avez deux options, soit vous démissionnez de votre poste de président, soit vous refusez une injustice. Moi, je ne suis pas Samuel Eto'o, mais vraisemblablement, il a décidé de se battre pour ne pas accepter une injustice. Tout simplement. Tout simplement. Alors, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, les Lions indomptables du Cameroun étaient rassemblés ici à Yaoundé. Et vous l'avez dit, on a observé qu'il y avait deux staffs. Et lorsque les Lions indomptables sont partis du côté de l'Ouganda, les deux staffs étaient toujours présents. On a remarqué également qu'un joueur de l'équipe nationale, d'après les informations recueillies sur MSC TV, les informations données par Thierry Ndo, a pris les devants pour le staff mis sur pied par le ministère des Sports, lui qui souhaitait, le gardien de but André Onana, lui qui souhaitait que ce staff-là soit également pris en compte dans les choses du côté de l'Ouganda. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut courir le risque qu'on ait des joueurs divisés dans la tanière, comme certains journalistes aujourd'hui, on peut le dire sans risque de nous tromper, on a ceux qui sont pro FECAFOOT et ceux qui sont pro MINSEP. Est-ce qu'on peut se retrouver dans ce cas de figure dans la tanière, chez les Lions indomptables même, au sein des joueurs? Bien sûr, puisque chacun a sa sensibilité, chacun a son relationnel, chacun a sa vision. On parle quand même de parfois 23, 26 joueurs. Donc forcément, il y a des camps. Il y a des camps. Mais la seule chose qu'on peut demander à ces joueurs, c'est ce qu'ils font depuis. Eux, plus que des journalistes, plus que des observateurs, plus que le peuple, ils ont un devoir de neutralité. Et il faut que le silence que ils ont montré compte tenu de tout ce qui se passait jusqu'ici les guide. Et que leur seule réponse soit sur le terrain, malgré tout ce qui se passe. C'est la seule chose qu'on leur demande. Il serait très maladroit pour eux de prendre position pour un camp ou pour un autre dans le contexte actuel. De toutes les façons, dans les deux sens, ils auraient beaucoup à faire. Et parlons du jeu, vous l'avez dit, on attend ces joueurs-là sur le terrain et surtout de la neutralité. Est-ce que vous pensez que les Lions indomptables du Cameroun, ceux qu'on a vus lors des deux dernières rencontres, ont toutes leurs chances contre la Namibie, qui n'est pas une très mauvaise équipe? Ah, c'est compliqué parce que une fois de plus, ils vont se retrouver en train d'avoir une préparation difficile, malheureusement. Et je ne suis pas sûr que cette situation joue en leur faveur, mais ils ont prouvé l'avantage que peu importe là où le match va se jouer,
Ils seront à domicile. Les Camerounais vont se déplacer pour jouer leur rôle de deuxième homme. Et ça, c'est un facteur très important. Mais vraiment, le fait que la préparation se passe de cette façon-là, c'est comme si on se tirait mal contre nous-mêmes. Et oui, ça peut rendre les choses difficiles face aux Namibiens, qui sont forcément au courant de ce qui se passe, et qui pourraient bien en profiter. Donc, c'est vrai que c'est préoccupant, mais je pense que le plus important, c'est que le match se joue. Parce qu'il y a aussi le risque que le match ne se joue pas. Que les Lions perdent sur tapis vert. Pour moi, c'est ce qui serait plus problématique. Mais si le match se joue, je pense que l'une des forces du Camerounais, de manière générale, c'est le mental. Et je crois qu'ils feront, comme ils l'ont fait à Yaoundé dernièrement, ils feront ce qu'ils ont à faire. Et ils resteront complètement tournés vers l'objectif, parce que dans cette équipe, il y a quand même des joueurs qui ont beaucoup de tempérament. Et ce genre d'éléments, ce type de ressort psychologique, ça aide pour jouer ce type de match dans un contexte aussi compliqué. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munies de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munies également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont en sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6500 francs CFA seulement. Et au vu des deux premières rencontres de Mabri sur les Lions Indomptables, sur le banc des Lions Indomptables du Cameroun, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de l'ossature qu'il va nous proposer en termes de 11 entrants? C'est un peu compliqué parce que il n'a pas eu beaucoup de temps. Et lui-même, il se facilite par la tâche parce que il préfère prendre pied dans une guerre. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais été comme les joueurs, totalement neutre. Mais il préfère s'embourber dans une guerre pareille. Donc, je ne sais pas comment il va trouver le calme nécessaire pour préparer son équipe. Mais on sait déjà que c'est un coach qui aime jouer, qui aime que son équipe va vers l'avant. Aime avoir la possession de balle, aime du beau jeu. Maintenant, il faut faire attention. Les joueurs ont fait une préparation en club. Est-ce que physiquement, ils sont dans de bonnes dispositions? On n'en sait rien. Vous-même, vous l'avez dit, la Namibie, c'est pas le Cap Vert. Ça peut être compliqué. On n'en sait rien. Donc, on attendra de voir. Tout en étant optimiste, parce qu'il s'agit quand même de notre équipe nationale et on se doit toujours de positiver. Alors, au moment où nous faisons cet entretien, la liste des joueurs retenus par le sélectionneur, la liste officielle, elle n'est pas encore disponible. Est-ce que, d'après vous, il y a des joueurs qui devraient être dans cette liste-là, au vu des débuts du championnat? Oui, on s'attend à l'ossature habituelle, Andro Onana, Anzambanguissa, Jean-Claude Aboubakar. Voilà les joueurs habituels. Avec quelques surprises aussi, pourquoi pas. Maintenant, je veux dire que c'est un peu compliqué parce que les championnats ne viennent que de démarrer et vous avez certains qui sont blessés, Mominga Maleu, Mbanya,
Il y a certains qui n'ont pas encore trouvé de club, je pense à Eric Maxime Choupo-Moting, ou encore Vincent Boubacar qui joue très peu. Donc, c'est difficile d'avoir une idée de ce qui va s'emporter. Nous tous, on attend. Normalement, ça aurait pu tomber depuis si c'était pas dispersé dans des batailles et que on tentait de faire juste son travail de sélectionneur. Là, on voit bien que ça prend du temps. On espère juste que la liste va sortir à temps parce que la liste namibienne, elle est déjà dehors. On va être patient, on n'a pas le choix dans cette histoire un peu ubuesque dans laquelle on est plongé depuis plusieurs semaines déjà. Merci à vous, Georges Mbimbe, de nous avoir accordé cet entretien. Merci d'avoir disposé un peu de votre temps pour nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et j'espère avoir pu vous satisfaire compte tenu des exigences liées à la production de votre belle émission. Merci à tous, vous également, d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir à cette émission en commentaire. Donnez vos avis. Que pensez-vous de cette bataille que l'on vit en ce moment chez les Lions notables du Cameroun, pas chez les Lions, entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Donnez vos avis. N'hésitez également pas à liker la vidéo, partager avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour une autre émission.